L'habitation La Sucrerie domine le bourg des Ansterlets depuis 2 siècles et demi. Le site récemment restauré et classé monument historique accueille tout ce week-end un atelier de couverture artisanale. J'ai mis un peu à se détendre dans l'eau. Et c'est Christian Chéry, le seul professionnel de l'île, qui explique ces techniques amérindiennes, encore pratiquées aujourd'hui à la Dominique. L'artisan utilise la feuille de canne bien mûre, qui se détache toute seule du plan. Il faut une cinquantaine de feuilles pour constituer ce que l'on appelle un bouchon. C'est attaché avec la paille même. Et après, on va le monter sur le toit. Ce sont des couvertures que j'ai déjà vues. J'ai vu à la savane des esclaves et je suis intéressée par ça. Donc j'aimerais bien apprendre. Comme beaucoup de visiteurs, Marilyn veut essayer. Et l'atelier est précisément là pour ça. J'adore ça parce que les gens, ils sont avides de connaissances. Et quand on leur montre la moindre petite chose, ils ont plein de questions, ils adorent, ils veulent toucher, ils veulent faire avec moi, ils n'hésitent pas. Et ça, c'est un plaisir. Les litos sont en bois thibaum imputrescible. Plusieurs rangées de paille superposées vont assurer à la fois l'étanchéité et l'isolation thermique naturelle. Si le travail est bien fait, le toit pourra durer 5 à 15 ans avec un peu d'entretien. C'est une autre ressource. Hein, bon. Voilà. On reprend un petit peu toutes les techniques que les ancêtres nous ont laissées, c'est une bonne chose. Parce qu'il m'a dit que les Amérindiens avaient une technique, les Africains sont venus avec la leur. Donc on a fusionné les deux pour avoir ce produit-là. C'est quand même intéressant. À l'époque, ils faisaient ça avec des 50 feuilles par bouchon. 5 minutes pour faire un bouchon. 18 bouchons au mètre. Ben, je ne suis pas prête d'avoir fait un toit, moi. Bois tressé et toit en paille. Christian Chéry exerce son art sur les sites classés. Son plus grand rêve est de transmettre ce savoir-faire par le biais de formations dans le cadre de l'apprentissage, sans quoi il disparaîtra. C'est mon pire cauchemar, parce que les techniques vont sûrement disparaître, parce qu'elles vont peut-être être copiées, regardées approximativement, mais si on n'a pas donné la technique de base, au fur et à mesure, au fil des années, eh bien, la technique disparaîtra. L'artisan a tout ce week-end pour plaider sa cause. Des centaines de visiteurs sont encore attendus.